Le ramadan, ce que je pense à propos du ramadan, c'est un mois de recueil. Je pense que c'est le mois de l'année où, donc, bien sûr, on doit le plus prier, le plus penser aux autres, mais c'est, je dirais, c'est un mois d'entraînement qui doit nous permettre de faire ce qu'on fait pendant le mois de ramadan toute l'année. Si on n'arrive pas à le faire pendant ce mois-ci, si on n'arrive pas à faire plus de prières, plus de lectures de Coran, plus de sadaka, etc., etc., pendant ce mois-là, c'est qu'on doit avoir un petit problème dans notre foi. Mais je pense que le mois de Ramadan, bien sûr, c'est un bien. Il a été prouvé que c'était un bien de jeûner au niveau de la santé, etc. Mais ça nous rapproche beaucoup plus d'Allah Ta'ala. Donc, bien sûr, je conseille à tout le monde de jeûner le lundi et le vendredi et le jeudi. Le lundi et le jeudi, ce qui est très recommandé, qui est une sunna. Donc, jeûner le mois de Ramadan ne m'a pas posé de problème, et c'est une adoration qui nous sert à nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Alhamdoulilah, donc j'ai appris à lire l'arabe. C'est vrai que quand je lis en français, c'est pas la même chose que quand je lis l'arabe. J'ai pas encore toute la compréhension. Je dois comprendre à 60 ou 70% les discours. Donc, lorsque j'ai le Coran, je comprends aussi, mais peut-être pas toutes les subtilités. Mais c'est vrai que quand je lis en arabe, j'ai une préférence pour la lecture arabe que la lecture en français. Et lorsque j'écoute le Coran ou que je le lis en arabe, c'est comme à la prière, hein, c'est une plénitude, c'est une sérénité. Et c'est le repos de l'âme, en fait. C'est un repos.